Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue sur ce stream absolument incroyable, cette deuxième soirée PowerPoint. J'espère que vous êtes chauds. Nous, on a bossé. On a bien charbonné, ouais, effectivement. Avec les potes notamment, on se l'est dit cette semaine. C'était un thème à la fois facile et pas facile. À mettre en place. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Premièrement, le chat. Et est-ce que vous allez bien aussi? C'est très important. Est-ce que vous avez bu de l'eau aujourd'hui? Hydratez-vous. Quel incroyable porte-manteau. Oui, ça va, oui, ouais. On t'entend, le son est bien. Ok, top. Donc, deuxième soirée PowerPoint, je vais rappeler très rapidement les règles avant d'aller rejoindre mes invités sur Discord. Donc, une soirée PowerPoint, c'est une soirée où on prépare un PowerPoint qu'on va présenter en live, qui doit faire entre 10 et 15 minutes à peu près, voilà, sur un thème qui, cette fois-ci, est imposé. Le thème qui a été choisi la semaine dernière par la gagnante de la précédente soirée PowerPoint, c'était la politique. Alors déjà, on s'est dit que c'était un peu tristoun que ce soit la gagnante qui choisisse le thème. Donc on va vous proposer un truc. Je vous propose le chat de balancer plusieurs thèmes. Parmi ceux que vous donnerez, j'en choisirai genre trois. Et le gagnant pourra choisir le thème parmi les trois que vous aurez décidé de mettre en avant. Voilà. Du coup, bah, vous pouvez tout simplement balancer vos thèmes au fur et à mesure, et puis moi je le note tranquillement dans un coin pour la prochaine soirée PowerPoint qui sera probablement la semaine prochaine, mais je vous en dirai plus en fin de live. Ce soir donc le thème c'est la politique et je suis accompagnée de plusieurs invités que je vais rejoindre tout de suite maintenant. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir le vous... chat. Ouais. Alors, Salut. les invités de ce soir, nous avons donc Cordélia. Il faut que tu dises. Voilà. Il faut parler. On identifie ta voix. Donc, nous avons donc Cordélia, nous avons également Rose. Laquelle? Ah, voilà, il y a deux Roses en fait. L'angoisse commence. Eh oui, Bah, pour moi, ça peut être Rose Azerty, puis voilà. On va dire donc Rose Azerty, que vous venez d'entendre. Il y a également Rose, sans C'est moi. Azerty, Rose QWERTY. La rose classique, la rose vanilla. Exactement, et enfin Rémi. Bonjour. Voilà. Donc, du coup, comme je l'ai rappelé au chat ce soir, le sujet, c'était la politique. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous en termes de préparation, tout ça? Dire que j'ai fait le thème que je voulais à la base et que je l'ai raccroché à partir de trois mots, serait mentir. Donc je ne dirais pas ça. Le chat, je On sais pas vous si... entend encore sur le stream, bande de blaireaux! Ah oui, j'ai une incroyable alerte de sub. Elle est absolument folle. Peut-être que pendant qu'on présentera les PowerPoints, je la désactiverai pour qu'on soit plus tranquille. En tout cas, merci beaucoup à Captain Wolf qui a follow la chaîne. N'hésite pas à devenir toi-même un gros blaireau. Oui, parce que mon Oui, alerte de n'hésite sub pas. a été faite par Rémi ici présent. Lors du stream de la semaine Oh dernière. non! Oh non, purée, moi je l'entends pas, donc j'ai compris ce que c'était. Tout va bien au niveau du son des uns et des autres. Le chat, vous nous dites avant qu'on se lance, comme ça on n'aura pas de problème technique à régler pendant. C'est pas Oui, du bah tout oui, on va compliqué. parler. Blaireau, C'est là où le en moment fait, où hein. nous tous on parle un peu. Oui, parce qu'après, c'est comme les pauses pipi, on ne s'arrête plus sur l'autoroute du stream. C'est vrai. On Exactement. va être rarement Je sur vois l'autoroute que du cette stream. blague a Est-ce que toutes les évolué au voix fil sont du au temps? bon niveau, tout ça, tout ça? Je vous rappelle qu'on est à un Antoine Daniel de la fame. Hein. Donc attention. Exactement. Attention, dans un Antoine Daniel, on fait mon stream Goal du Z-Event. Je vous rappelle qu'on le fera, vraiment, mais pour le Z-Event de l'an prochain, si on a continué à streamer à ce moment-là. Le son est un peu faible par rapport aux autres. Ouais, mais alors ça, je ne sais pas pourquoi on n'a jamais réussi à le régler. Bah si tu baisses un peu tout le monde, tu Je permets à vous tout ai. le monde d'augmenter le son chez eux, et donc ça l'équilibre Yes. un peu. Je vous ai tous baissé un peu. Ok. Voilà. Donc on a 32 viewers, ce qui est toujours 7 de plus que la semaine dernière. Merci beaucoup, c'est trop cool d'être là pour ça. Ouais, c'est trop chouette. C'est trop sympa que vous soyez tous là. Qui veut commencer? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, je suis assez court et péchu, donc je pense que je m'insère bien au milieu. Donc, si quelqu'un veut...
cours. Il n'y avait pas quelqu'un qui voulait commencer, justement. Moi, j'avais dit que je voulais commencer pour être rose. Eh ben, mais maintenant que c'est le moment, je stresse encore plus. Mais je peux commencer si vous voulez. Désactivez peut-être vos cams si vous voulez pas apparaître dans le live. Je viens de voir que vous avez. Bah, en soi, je m'en fiche un peu, mais. Je veux bien commencer si vous voulez. Ok, alors, hop. D'accord, bah vas-y, et puis j'enchaînerai sur l'enchaînage. Est-ce que tu peux me stream ton PowerPoint, please? Ouais, alors d'abord, je dois lancer ma musique que vous allez entendre. Parce qu'on est là pour s'ambiancer, vous allez voir. Vous savez qu'il y a une musique. C'est parti. On va se muter. Ok, et là du coup, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse partager l'écran. Ton écran, bah ouais. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Est-ce que ça va? Je règle ça tout de suite. Alors, tiens, attends, juste un instant. Ah. Je vais m'auto-baisser la musique parce que c'est l'enfer. Très bien. Sinon, je ne vous entends pas. Ah, mais c'est les cafouillages techniques, mais écoutez, c'est la rançon de la gloire, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Non, ah, ça marche pas pour moi, attends. Voilà, bah nous sommes en live, hein. Écoutez, on est en direct. Voilà. C'est comme ça. Il faut que vous parliez plus fort, en fait, dans ma tête. Donc, je vais vous augmenter. Voilà. Et peut-être. C'est important que vous soyez démuté pour pouvoir participer à ce petit PowerPoint. Ah d'accord, ok, ben on se démute alors. Du oui. Travail, encore du travail. Ok, bon, okay, okay. Alors attends, une seconde, je vérifie que tout s'affiche bien sur le live, c'est bon pour moi. Ok. Eh ben, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette présentation de Rébus de personnalité politique. Yes, top. Le but du jeu est de trouver les rébus présentés dans cette présentation. J'avais si vous ne trouvez pas, vous avez perdu. Ok. Voilà. Ok. Ouf, ah ouais. On commence. Tout le monde est prêt et prête? Attends, non, parce que moi je suis... Attends, je vais regarder sur le stream, faut que je regarde pour pas être en décalage. Voilà. C'est bon, je suis prêt. Allez. C'est parti. Noix à. Weed. Yannick, noix à. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Weed. On est sûr que c'est de la weed. Benoît. Oui, bravo le chat. Yes, je l'ai. Bravo le chat. Oui, je l'ai. Mais oui, le chat beaucoup trop fort. Non, moi j'ai pas regardé le chat, je l'ai trouvé tout seul, c'est bon. Allez là voilà. C'était Benoît Hamon. Ouais. Bravo. Yes. Allez, on passe à la suivante. On y va. C'est parti. Roselyne Bachelot. Bravo. Oui, bravo. Oh, oui. Oh là là, incroyable. C'est le Lot. Mais non, putain. Pourquoi je n'ai pas reconnu le Lot aussi vite? Et c'était effectivement Roselyne Bachelot. C'est parti pour la suivante. Allez. Eve A. Eva Jolie. Et bravo. Oh putain. Oh là là. Et je oui, me fais mettre une mine. Eva Jolie. Aïe. Oh là là. Bravo. Allez. Celui-là est un peu dur. Hein. J'avais rien du tout. Nicolas. Est-ce que c'est Nicolas Hulot? Non. Ah putain, Nicolas. C'est que la Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Putain, c'est bon. Pardon, je voulais préciser que ce n'était pas son nom complet. C'est très important pour le. Pour un certain Paul Bismuth. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez, la suivante. Macron. Et non, c'est pas accepté. Darmanin. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est je vais accepter Darmanin, mais évidemment, alors c'est un caca géant, mais c'est forcément... Mais oui, bien sûr, Manuel Valls, évidemment. Mais j'accepte Darmanin. Ok, ouais, alors c'est un rébus post-moderne, très bien. Exactement, allez. Putain, je vois pas ce que c'est la première image. C'est les inconnus, mais... C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est ça. Je l'ai.
Mais c'est trop fort en fait. Putain, mais je suis pas dans la stratosphère quoi. Ah, oh, cette image. Oh là là. Ça me rappelle... Je voudrais saluer le choix des photos quand même. Ouais, ça me rappelle les ombres les plus sombres de la cuisine quand on avait fait un quiz politique avec Macron. C'était terrifiant. C'est terrifiant, oui, je m'en souviens. Oh, c'est fabuleux. Allez, la suivante. Chat, chaton. Charles. Charles de Gaulle, c'est Arles, c'est le Colisée à Arles. Charles de Gaulle, c'est pas ça? Bravo! Oh là là! Je me fais démonter, heureusement qu'on compte pas les points. Pas n'importe laquelle. Allez, la suite. Le chat qui gagnerait. Câble. Jack Lang. Jack Lang! Non. Non. Non, Jack. C'est pas ça? Jack. Jack Chirac, par contre. Oui, Jack Chirac. Le chien. Perf. Curse. C'est ça. Oh. Oh là là, les photos. Oh, oh, oh. Allez, la suivante. François Hollande. Ah oui, François Hollande, oui, c'est ça. Allez là, on est là. Bravo. Oh là là. Eh oui. Moi j'étais à pièce drap Pays-Bas, mais je l'avais pas du tout du coup. Pièce drap. J'avais franc, mais je sur allez, la suivante. Spagacha! Muriel! Pénico, je suppose, et parce qu'il y a quand même qui s'appelle Muriel. Je suis désolé, vous m'avez battu. Hein, mais je... Non, non, mais on coopère. Grâce à ma connaissance des prénoms d'anciens ministres, voilà, ça ne sert qu'à ça. C'est évidemment. Oh là là, cette photo! En fait, tout ce qu'on veut, c'est voir la photo à la fin, hein, clairement. Allez, la suivante. Celle-là, elle est dure. Vraiment. Des hortefeux. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, 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 c'est exactement ça, vas-y. Oh. Oh là là. C'est effectivement Brice Hortefeux. Brice Hortefeux. Ah oui, oh oui. Dans le respect des gestes barrières. Oh là là. Je vais devoir la skip très vite, celle-là. Ah, c'est je parti. Connais, c'est The Mentalist. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Mais putain. J'ai pas le temps. Je n'ai tout simplement pas le Ton temps. Ton esprit glisse ailleurs. Exactement. C'est la pire. Oh la vieille ref. C'est parti pour la suivante. Oh merde, je sais plus comment il s'appelle ce mec. C'est Taubira. Taubira. Eh oui. Christiane Taubira. Ah, c'est le Christ, c'était ça. Eh oui. J'ai triché, je l'avais oublié son prénom aussi. Hein. Tu t'es dit vitrail. C'était évidemment Christiane Taubira. Oh là là. Le super swag. La suite. Jean-Luc Mélenchon. Exactement. J'ai un jean et j'ai Luc, donc c'est forcément ça, c'est bon. C'est... Mes amis. Les amis. Ah oui, on a une pote qui aime très bien Jean-Luc Mélenchon. Ah, les photos sont au poil, franchement. Avec lui, il y avait du choix. La suivante. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Oh, mais là, mais t'es en feu. Oh là là, ok, c'est exactement c'est dur, ça. C'est très dur. Alors là, j'ai pas trouvé de photo. Voilà, je l'ai vu celle-là. Elle se suffit à elle-même. Hein, elle est très bien. Dire, elle est très bien. C'est vrai. Ouais. Elle te dit du regard, je vais te harceler. C'est fabuleux. Oui, c'est vrai. Allez, la suivante. Je vais être raciste. Christine Boutin. Exactement. Ça, oh oui, c'est du teint. Oh oui. Exactement. Wow. Allez, je sais pas si c'est la dernière après, mais non, c'est pas la dernière. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, oui. Oui. Oh, j'avais pas la dalle. J'avais pas la dalle. Pam, pam, oh, cette pam. Photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la dernière, c'est la plus dure. Je sèche de ouf. Shame, j'imagine. Ouais. Je mise aussi sur Shame, mais... Attends. Shame Bourg. Ouais, Bourg-Palette, c'est Bourg-Palette. On a le Shame. C'est Bourg-Palette, ça? Ouais, c'est Bourg-Palette. Palette. C'est pas une personnalité c'est une politique. C'est la troisième. Non, 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 ok, c'est Bourg-Palette, ici. Bourg-Palette. Y'a qui finit en Bourg? Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, c'est ça. Voilà. Arnaud Montebourg. Ah là là. Ah oui.
Bon, en plus, oh c'était honte et pas shame. Bah, dis donc. Je suis sûr, il l'avait depuis longtemps. Oh là là, c'est fabuleux. Il l'avait. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Bravo d'avoir joué. Cram, il l'avait, mais avant nous, mais le chat est trop fort. Mais merci à toi d'avoir fait jouer. Bah oui, merci à toi, merci pour cet incroyable PowerPoint. Les transitions, toujours, hein, qui carrient les PowerPoints, on le note. Les transitions, c'est quand même... Je suis carré. C'est quand même 50% d'un bon effet PowerPoint. Ça va le chat, vous êtes toujours là, vous avez gagné ou pas? J'ai arrêté le stream, c'est bon. Hein. Voilà, c'est bon. Okay. T'inquiète. Je pense que le chat a gagné. J'espère que ça vous a plu. Ah non, c'était trop bien. C'était rigolo à faire. C'était rigolo à jouer. C'était rigolo à jouer. Trop bien à jouer. Bah, du coup, d'habitude, on prend un petit peu. Enfin, d'habitude, il n'y a pas d'habitude. On prend un peu des questions, mais là, il n'y avait pas trop de questions. Donc, j'en profite pour rappeler au chat qu'ils peuvent totalement follow la chaîne. Hein, on faisait un peu de pub. Bah oui. Et puis, peut-être que t'as On a un objectif de followers de 50 follow tout de même. Oui, c'est ça, 50 follow. Peut-être que tu as des réseaux sociaux, Rose Azerty. Peut-être que tu peux gagner au moins 31 personnes. Alors, Rose, d'ailleurs, j'avais mis son hat au tout début du stream. C'est la personne qui a fait la musique que vous avez entendue au début du stream. Waouh, t'es trop stylé. C'est incroyable, je l'ai pas écouté. Tu sais, ici, il y a des gens qui font des choses, et puis après, il y a moi et Rémi qui sont là. Bonjour. Alors, en fait, j'ai fait un PowerPoint. Quand on est poli, on dirait ni moi, wesh. Oui, moi, je ne suis pas poli. Enfin, si, mais pas comme Allons-y. Ça. Allons-y. Oui, du coup, vous avez le Twitter de Rose Azerty dans le chat que vous pouvez follow. Et également, je profite de cette interlude pour vous rappeler de proposer des thèmes pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Yes. C'est très très important parce que sinon, on va avoir un thème libre et personne n'a envie de ça, en fait. D'un autre côté, est-ce que tout le monde n'en a pas un peu envie? Non, personne n'a envie de ça, non, vraiment. C'est déplorable. La dernière fois, je me suis retrouvée à faire une présentation sur le water polo, franchement. Mais c'était très bien. C'était super. Ok. Qui enchaîne? Rose, ça te va d'enchaîner? Ça me va d'enchaîner. Je vous propose. Merci à Six. Follow. Je vous propose un petit PowerPoint avec malheureusement moins de jolies transitions, mais plus de texte pour vous entraîner à la lecture avec votre neveu qui est en CP. Tu me streames? Yes. Pourquoi je te stresse? Tu me streames. Ah, tu ne me stresses pas, tu me streames. Pas du tout. Alors voilà, source. Ah non, je ne peux pas sourcer. J'ai pas d'argent. Bon, bah, désolé, les amis du chat technophile. Ce ne sera pas en 4K 120 FPS. Mais je pense que pour un diapo, ça suffira. Ça charge. Attends, avant de commencer, je leur remets un petit peu ton... Ah, j'attends, je suis la patience même. Il y a ta petite caméra qui s'affiche sur le côté, en bas, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, mais d'un côté, elle sert à rien. Non, mais attendez, je vais la mute, comme ça, vous verrez pas que je lis mon texte et que je fais des sales tronches. C'est toi qui décides. En tout cas, ça fonctionne, donc c'est quand tu veux, et ce coup-ci, on se mute pour ta présentation? Ou pas? Non, allez-y, je veux des réactions. Ici, nous sommes un spectacle vivant. Un spectacle pas vivant. Pas de problème. Ok, et eh bien c'est parti. J'adore le théâtre. Mesdames, messieurs, chers camarades, nous sommes aujourd'hui réunis ce soir en cette belle soirée de décembre 2020 pour... Alors à la base j'avais mis un son en fait dans la diapo, mais ça marche pas parce que je fais pas un vrai stream bien et du coup vous l'entendez pas. Donc, mais applaudissez quand même s'il vous plaît. On devrait pas non plus. Ah si, sauf les gens dans le vrai. Merci public. Et donc le thème de cette présentation aujourd'hui, un thème incroyable que je pourrais résumer par ce titre. Homophonie et polysémie, le cas de la polysémie. Attendez, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui va pas. Josiane? Allô? Josiane, c'est quoi ça? C'est la diapo titre, madame. Je paye 253€ de salaire mensuel tous les mois, tous les 30 jours, toutes les 4 semaines, toutes les lunaisons, toutes les pleines lunes,
Ah, mais c'est pas possible, en fait. C'est quoi votre excuse? Vous êtes virée, Josiane. Josiane. Pardon, excusez-moi pour ce petit désagrément. Je disais donc, homophonie et polysémie, le cas de la politique. Mais pour que nous y voyons un peu plus clair, nous allons passer à, je pense, ce qui est vraiment une étape clé de la présentation. Le plan pour s'y retrouver, le plan pour mettre les choses à plat, mettre les choses au clair, mettre les choses, ne pas les laisser en plan. C'est une bonne situation. Eh bien, tout de suite, le plan. En première partie, écoutez, non, vous savez quoi, la première partie, c'est la prochaine diapo, c'est dans 10 secondes. Vous verrez bien, c'est pas la peine que je le dise. Et la deuxième partie, pour tout vous dire, c'est un peu ma préférée. J'en suis vraiment très fier, mais j'aimerais que ça reste une surprise si ça vous va. J'espère que ça vous va. Ça vous va? Oui. Ça me fait plaisir que ça vous aille. Et donc, mais la première partie, la politique, PEAU, la peau de pierre, politique, adjectif qui se réfère à la pierre. Les pierres, les cailloux. Également, le premier maître d'arène dans la première saison de Pokémon. Voilà. Mais plus exactement, la fibrodysplasie ossiforme progressive, qui a quelques autres petits noms que je vous laisse lire. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est la maladie de l'homme de pierre. L'homme de pierre, la politique, c'est lié. Mais qu'est-ce que c'est, la fibrodysplasie ossiforme progressive? Alors, la fibrodysplasie ossiforme progressive, c'est une maladie génétique qui va faire que, petit à petit, vos muscles et vos tendons vont s'ossifier de manière progressive, donc, au fur et à mesure du temps. Voilà. Comme vous pouvez le deviner, ce n'est guère pratique. Nous avons vu qu'est-ce que c'est, mais voyons maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Fibro, les fibres. Les fibres du grec, pardon, du latin. Les Romains, Jules César, qui n'était pas empereur. Plasie du grec. Les Grecs, les Romains, ils sont copains, ils sont pédés. Ici, on apprécie, nous soutenons les droits des personnes LGBT. Tu veux dire façonner, modeler, et 10, ça veut dire ça va pas bien. C'est dissonant, c'est les dystopies. Malheureusement, quand vous êtes atteint de fibrodysplasie, c'est donc que globalement, vos muscles, c'est pas la joie. Le siphon progressif, c'est-à-dire que ça s'ossifie progressivement. À ne pas confondre avec les salsifies progressistes, qui sont eux-mêmes très différents des brocolis de l'espion. La politique, donc. Bien, écoutez, la politique, comme je l'ai dit, est une maladie génétique rare qui se produit dans à peu près une naissance sur 1 million. 1 million, c'est beaucoup. Une, c'est pas beaucoup, donc c'est rare. Et en fait, fait intéressant, un des seuls critères diagnostiques à la naissance, c'est une malformation du gros orteil. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous ne le savons pas. Maintenant, vous le sachiez. Mais à part ça, qu'est-ce que ça fait? Alors en fait, la fibrodysplasie, c'est une maladie qui évolue petit à petit, où en fait, où il y a des crises, c'est d'un coup, il y a une crise qui est déclenchée généralement par un traumatisme, par exemple, une blessure, une fracture, ou même peut-être quelque chose d'aussi simple qu'une piqûre, un vaccin, et en fait, qui va traumatiser la zone. Et ensuite, votre corps va dire « Oh là là, ça va pas, on est blessé, envoyez les renforts », mais au lieu d'appeler les renforts renforceurs habituels, il appelait les renforts d'eau. Et du coup, ça fait des os en plus. Ce qui n'est pas forcément très pratique, parce qu'à la place d'avoir des muscles et des tendons reliés à vos os pour que vos os ils puissent bouger et tout, vous avez des os reliés à soit d'autres os, soit rien. Et à la fin, vous ne pouvez pas bouger. C'est pas ouf. Vous ne pouvez pas bouger. Donc, généralement, les personnes qui ont cette maladie finissent par être en fauteuil roulant. Et donc, je vous rappelle que l'activité, c'est important, mais que le Téléthon, c'est de la merde. Mais à ce qui paraît, c'est le Téléthon. N'allez donc pas regarder. Regardez plutôt ce stream. Écoutez
viser les témoignages de personnes en vie, d'associations, d'anciens enfants du Téléthon qui sont passés par là et qui vont vous expliquer pourquoi c'est de la merde mieux que moi. Moi, je vous dis juste que c'est de la merde parce que ce n'est pas le sujet de ma présentation. Même si le sujet de ma présentation, c'est la politique, donc c'est un peu le sujet quand même. Toutefois, les droits des personnes handicapées, c'est important, comme nous le dit si bien notre ami La Chose, qui est également quelque peu caillouteux. Et c'est maintenant le moment de la deuxième partie. Deuxième partie, la politique. Alors en fait, il y a deux sortes de politique. Il y a la politique, la PPEAU lithique, qui est en pierre, et il y a la PPEAU, c'est-à-dire un appôt pour attirer les animaux. Mais l'autre, la politique, qui est un appôt pour attirer les animaux, mais sauf qu'il est lithique, donc il attire les petits cailloux, les pierres. C'est aussi la politique. Mais dans les deux cas, il y a encore des sous-catégories et des sous-catégories de la politique. Nous allons maintenant les détailler. Pour ça, j'ai besoin que tous ici, et toutes, nous ayons quelques notions de physique, et notamment d'électricité, une matière généralement adorée par tous ceux qui l'ont étudiée. Je sais qu'il y a quelques personnes ici qui semblent également avoir des problèmes avec leur clavier, parce que je sens que ce que je pensais ne correspond pas avec ce que je lis sur le chat. C'est bien étrange. Donc ça, c'est un filtre passe-bas tout simple, RC, avec une résistance et un condensateur, et qui va donc laisser passer uniquement les basses fréquences. Vous voyez sur cette petite courbe les basses fréquences, entre 0, 1 et 1, qui passent bien, tranquille, la vie est belle. Et ensuite, l'intensité est diminuée selon l'équation que vous voyez à droite, où J, en fait, c'est I, le nombre imaginaire des complexes. Du coup, j'espère que vous avez aussi le truc de maths, mais ça, je le garde pour une prochaine diapositive dans un mois ou deux. Oméga, la fréquence, la variable, oméga 0, une autre variable, on fiche pour dire quand est-ce qu'on coupe. Et donc, par exemple, qu'est-ce que ça donne en pratique? Rassurez-vous, vous pouvez revenir, vous pouvez démute le stream. Je ne parle plus de physique pour cette diapositive. Eh bien, par exemple, les Shadows nous fournissent cette magnifique passoire qui laisse passer l'eau, mais retient les volumes de vos spaghettis. C'est un filtre passe-bas. Donc, mon apolitique type 1 passe-bas, il va appeler par exemple de petits animaux, comme je ne sais pas, ce magnifique canard. À moins que ce ne soit un lapin, je ne suis pas sûr. Et mon autre apolitique passe-bas va faire venir de petits cailloux. Et encore, tout va bien. J'espère que vous me suivez. Le chat, je vois qu'on apprécie les passoires. On apprécie les shadows. C'est très clair de mon côté. C'est très clair. C'est très clair. Un bac plus 8 en physique. Je pense que la clarté, c'est grâce à la bonne présentation du plan au début, qui vous permet de suivre avec précision la présentation. Mais s'il y a les passe-bas, vous pensez bien qu'il y a aussi les passe-haut. Là, c'est le retour de la physique. En fait, c'est pareil dans l'autre sens. Vous inquiétez pas, vous avez tout compris. Regardez. Hop, RC, la CR, c'est l'autre, c'est le machin. Qui est-ce qui représente les résistances comme ça, avec un zigzag? Personne. Mais alors, personne, sauf ce schéma que j'ai trouvé. Et j'ai choisi. Pourquoi t'as choisi celui-là, Rose? Parce que les autres ne marchaient pas. Les autres. Et vous voyez, donc cette fois-ci, on coupe en bas les basses fréquences, on laisse passer les hautes fréquences. L'équation a une gueule encore plus sale, mais rassurez-vous, on peut faire encore plus sale, parce que ça, c'est de l'ordre 1. Vous voyez, on a un petit circuit, on a deux éléments dessus, trois câbles, une demi-lampe et un interrupteur. C'est facile. Mais on peut faire pire et rajouter des choses et compliquer les équations avec du deuxième, troisième, quatrième ordre. On peut également le faire dans les passoires, mais là encore, ce sera pour une prochaine présentation. Et donc là, la passoire ou le filtre passe-haut, bien, dans le cas de la passoire, ça laisse passer les nouilles, mais ça retient l'eau, ce qui est également très pratique. Il est malheureusement quelque peu difficile de s'en procurer dans le commerce, car ça n'a pas été considéré comme des achats de première nécessité. Et nous sommes donc interdits d'en acheter jusqu'au 15 décembre. Désolé, toutes mes excuses. Bon, notre apolitique type 1, la PPEAU
en pierre, qu'est-ce qu'on va avoir? Par exemple, il y a un des plus gros animaux, tel que ce magnifique ours, cet ours qui rugit, mais je suis sûr qu'il est amical. Quant à notre apopin en pierre, mais également lithique, il pourrait faire venir, par exemple, je ne sais pas, disons, un gros rocher de la taille d'un petit rocher, à câble. Néanmoins. Mais il y a évidemment d'autres types d'apôts, d'autres types de lithiques, et d'autres types de passoires, par exemple, des passoires qui ne laissent passer ni l'eau ni les pas. Il y en a trois types. Celles qui ont la queue à gauche, comme celle-ci, mais qui ne laissent pas passer les pattes. Celles qui ont la queue à droite, pas comme celle-ci, mais pas non plus comme celle-ci parce qu'elles ne laissent pas passer les pattes. Celles qui n'ont pas de queue du dos. Celles qui n'ont pas de queue du dos, on les appelle les autobus. Il y a trois types d'autobus. Ceux qui roulent à gauche, comme en Angleterre, ceux qui roulent à droite, comme pas en Angleterre, et ceux qui ne roulent pas du tout. Et ceux-là, on les appelle des casseroles. Malheureusement, cela sera aussi pour une prochaine fois. Je vous invite, pour de plus en plus d'informations, à consulter les Shadocks, qui sauront vous donner vraiment un esprit critique et une nouvelle approche de la logique que je trouve très intéressante. J'aimerais également vous rassurer. Aucune Josiane, aucun homme préhistorique, ni aucun animal n'était blessé dans la réalisation de ces diapositives. Vous remarquerez également l'absence, heureuse ou malheureuse, je ne sais pas, de toute blague sur l'âge de pierre, et par la même de toute référence au film Grrr, que je n'ai pas vu. Merci de ne pas me cancel sur Twitter. Je vous rappelle encore que le validisme, c'est de la merde, mais que l'accessibilité, c'est bien. Et quant à la politique, APOLITIQUE, quand on vit cette présentation, c'est en fait un mythe, parce que tout est politique. Bisous à Sophie, qui ne nous regarde peut-être pas. Elle appréciera. Elle appréciera. Elle appréciera. Suivez-moi sur Twitter, des bisous. Point. Ah, c'était absolument incroyable. J'ai le cerveau en compote. Je n'ai pas tout compris. J'avais une question sur les casseroles, mais finalement le sujet a été abordé à la fin, donc c'est bon, je suis très heureuse. Ah, parfait. Est-ce que dans le chat vous avez des questions de préférence en rapport avec la physique chimie, s'il vous plaît? Ou pas en préférence avec la physique chimie, car je n'en ai pas fait non plus depuis. Quelqu'un nous dit, je ne sais même plus comment je m'appelle. Je n'étais pas prêt. Ah. C'est ma meuf qui a fait ça. Tu utilises quel passeport pour faire cuire des pâtes? C'est ma meuf qui a fait. Ce qui est bien, c'est que quand elle dit ça, je ne sais pas si elle le dit d'un ton fier ou d'un ton désespéré. Alors, moi, je sais. C'est là que ça devient un peu... Alors, Radek, pour la cuisson des pâtes, tu peux... question 1, enfin, option 1, les rater. Option 2, lire le paquet. Option 3, goûter toutes les 2 minutes. Et quand c'est bon, t'arrêtes de faire cuire et tu utilises la passoire adaptée. Et du coup, pour se faire une petite infusion d'eau de pâte, tu utilises quelle passoire? Pour les infusions d'eau de pâte, ouais. Bah, de préférence, pas la première passoire passe-bas. Sauf si tu as mis ta tasse en dessous de la passoire. En fait, tu peux utiliser divers types de passoires, mais il faut adapter, il faut agir en conséquence. Elles s'utilisent différemment. Très bien. On va peut-être s'arrêter là. C'était très dense. C'était très dense. Rémi, est-ce que tu te sens de prendre la suite? Je suis prêt. Je suis là, je t'ai mis le truc. Tu peux le mettre en live. Tu me dis quand je suis devant les gens. Alors, hop. Apparemment, j'ai tué Axel. C'était tué plein de gens. Si tu as tué que Axel, c'est pas mal. Ah oui, pour ceux qui n'avaient pas la référence du coup d'engueulade de Josiane en début de, de présentation, je vous ai mis le tweet correspondant. Voilà. Et je vous rappelle, bien sûr. En fait. Oh, mais c'est pas possible en fait. Oh, mais c'est pas possible en fait. Voilà. Je leur ai remis un petit coup de « Ah, mais c'est pas possible, en fait !» Comme ça, ils sont bien, bien chauds. Rémi, c'est à toi.
Ok. Est-ce que vous pouvez vous mute juste pour que je puisse... Justement, je vais essayer... faut que j'enchaîne un peu. Donc, si vous pouvez tous... ouais, tout le monde on dans se le mute. Truc, c'est en bas, le petit micro en bas. D'accord, yes. C'est merci. Bien parce que tu nous aimes pas. Ouais, moi, c'est du spectacle mort. C'est ça, c'est par opposition. Donc, bonjour, bienvenue dans mon exposé. En préambule, je voudrais dédier cet exposé à ma famille, à mes amis, à mes proches. En général, donc cet exposé s'appelle « Pourquoi le Pérou, histoire d'une question ?». J'ai quelques petits préambules avant qu'on démarre. Première chose, tous les exemples, c'est un exposé qui est beaucoup à tirer d'exemples, et tous les exemples sont fictifs, ne sont tirés de rien, c'est des choses qui pourraient vous arriver à d'autres gens, enfin c'est des choses qui sont un peu genre, qui sont tirées, pas d'histoire réelle, d'histoire inventée. Deuxièmement, voilà, pourquoi le Pérou histoire d'une question, et il est temps d'expliquer le titre. Alors, je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à ça, cet exposé ne parle pas du Pérou, cet exposé parle, donc pourquoi le Pérou histoire d'une question, tout est dans le titre, cet exposé parle des différents cas où les gens vous posent la question, pourquoi le Pérou? C'est-à-dire que, admettons, on prend un exemple, là, toujours les exemples fictifs, vous voulez faire un DUT tissage traditionnel à l'université de Lima, il se peut qu'on vous pose la question « Pourquoi le Pérou ?» Et cet exposé va essayer de voir, faire une espèce de taxonomie des différents cas et des différentes personnes et de leur motivation pour vous poser la question « Pourquoi le Pérou ?» Alors, avant une brève explication de ce qu'est le Pérou, qui n'est pas le sujet de la conférence de l'exposé, je le rappelle. Le Pérou existe depuis 1821 et il est parfaitement légitime, maman. Pardon. Et donc le Pérou, il y a des ponchos, des bonnets, des lamas, le DUT tissage traditionnel de l'université de Lima, et c'est voilà, je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif du Pérou qui nous permet, je le rappelle, ce n'est pas le sujet. Si vous voulez voir des exposés sur le Pérou, il y a d'autres choses, tout un univers à découvrir, ce n'est pas le sujet de l'exposé. Voilà. Donc première catégorie, les gens qui veulent connaître les causes de l'existence du Pérou. Première catégorie, des gens qui posent la question pourquoi le Pérou, tout simplement parce qu'ils veulent savoir mais de quelle manière le Pérou a été créé, quelles sont les raisons, les pourquoi du Pérou, et ces gens-là arrivent à vous poser la question. Alors, c'est une erreur classique, c'est pour ça que j'ai fait un petit schéma pour l'expliquer. Ces gens-là confondent votre intérêt pour les tissages traditionnels avec une expertise quelconque sur les origines du Pérou. Et donc, c'est problématique. Vous n'avez pas, de toute manière, pas les clés pour leur répondre. Vous ne pouvez pas les aider. Et vous devez les éconduire vers peut-être des exposés sur le Pérou ou les éconduire tout simplement. Voilà. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui ne veulent pas que vous alliez au Pérou. Ces gens-là vous en veulent. Ces gens-là sont malveillants. Ces gens-là préféreraient que vous alliez faire vos études proches de votre mamie qui habite en Bourgogne et qui ne va pas très bien en ce moment. Ils préféraient que vous vous inscriviez à l'Académie de Dijon. Mais ce n'est pas faute d'avoir leur expliqué des dizaines de fois que non, vous ne pouvez pas aller à l'Académie de Dijon. Non, il n'y a pas de DUT, tissage traditionnel, à l'Académie de Dijon. Mais ces gens-là sont des gens obtus, sont des gens qui refusent le dialogue, avec qui on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter, avec qui, de toute façon, ce n'est pas la peine d'engager une discussion constructive. La troisième catégorie, ce sont les gens qui veulent savoir pourquoi vous allez au Pérou. Alors, en apparence, la question est légitime. Ils veulent connaître vos motivations, savoir qu'est-ce qui vous importe dans votre choix du Pérou, etc. Mais c'est quand même curieux parce que votre sœur, quand elle a fait un voyage scolaire en Espagne, personne ne lui a posé la question « Pourquoi l'Espagne ?» Personne. Ça est venu à l'esprit de personne de savoir pourquoi elle allait se faire dorer le cul à Barcelone. L'Espagne n'est pas une question. Pourquoi l'Espagne n'est pas une question? Là, votre sœur n'est pas une question. Non, c'est toujours le Pérou qui est une question. C'est toujours vous qui êtes une question. Ce qui en amène à mon quatrième point. Vous êtes victime d'un complot. Vous êtes victime d'un complot et sa quatrième partie va égrener et décider les preuves et les indices qui vous amènent à
trouver et à conclure à ce complot. Déjà, petit 1, d'après l'INSEE, absolument personne ne s'intéresse aux causes de l'existence du Pérou depuis 2004. Votre grand-mère n'a jamais habité en Bourgogne et ne connaît même pas Jean-Luc Reichmann. En 1999, qui est comme par hasard votre année de naissance, l'Académie de Dijon a fait publier une note interne motivant ses choix de rompre les liens avec l'Université de Lima en disant, je cite, en utilisant, je cite, un différent sur les méthodes de tissage et une autre conception de la tradition. Voilà, votre sœur a bien voyagé en Espagne pour apprendre l'espagnol. Espagnol qui est la langue, je le rappelle, parlée au Pérou, sans compter, bien évidemment, des regards, des attitudes, des menaces. Nous pouvons en conclure que vous êtes victime d'un complot hispano-bourguignon pour déstabiliser le DUT détissage traditionnel de l'Université de Lima. Conclusion. Je dirais en conclusion, vous êtes surveillé, vous le savez. Vous êtes menacé, vous l'assumez. Maintenant, j'ai envie de vous dire et de vous expliquer, comme finalement le disait Lénine, d'aborder en conclusion, que faire ? Alors, que faire ? J'ai envie de vous guider sous la forme d'une maxime, sous la forme d'un credo qui serait « ne rien faire qui puisse mettre en danger » le DUT, tissage traditionnel de l'Université de Lima. J'ai envie de dire, cet exposé est bien plus qu'un exposé, c'est un manifeste. C'est votre devoir, c'est votre sacerdoce, vous êtes la relève, vous êtes la nouvelle vague, tenez, et tenez bon. Je vous remercie. Un beau geste technique. C'était extrêmement technique, bravo. J'ai pleuré de rire. Je pense que c'est Jean-Luc Reichmann qui... Non, c'est Nathine Morano qui m'a eu. C'était vraiment très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le DIT tissage traditionnel de l'Université de Lima? J'aimerais savoir si... Ah, il y a quelqu'un qui nous demande poil de la main. Ah non, mais excusez-moi, je peux pas. Ce sera une autre conférence. Mais je croyais que tu étais expert en tissage traditionnel péruvien. Du coup, ça floude. Non, pardon, pourquoi le Pérou dans le chat, hein, quand même. Oui, bah oui, non, mais je comprends bien. Évidemment. Je comprends bien, Sacha, par contre, se pose des questions sur les débouchés du DUT tissage traditionnel. Sachez qu'il est en cours. Et que ça risque d'être un peu difficile. Vous savez, ici à Lima, le temps est magnifique. C'est vrai que tu nous viens directement de Lima. Et il fait beau, il fait très beau, voilà. Mais pour les débouchés, t'as pensé à appeler un plombier ou quelque chose comme ça ? Exactement. J'espère que ça vous a plu. J'y ai mis toute mon âme. Je crois que le chat a bien aimé. Je me recoiffe un peu devant vous, le chat. Hein. J'y ai mis toute mon âme. Et c'était un sujet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui était éminemment politique. Donc commencez pas à dire des choses. Non, mais j'ai mis Lénine dedans. Donc oui, forcément, oui. Il y avait Lénine, c'est validé. À partir du moment où il y a Lénine, c'est validé. Il s'agissait aussi de défendre nos petits DUT face au massacre de l'enseignement supérieur. Au massacre de l'académie. Au massacre qu'est l'académie de Dijon dans un sens général, j'ai envie de dire. C'est le problème. C'est un danger. On va se stopper là pour ce magnifique PowerPoint sur pourquoi le Pérou. Oui, j'ai appuyé sur échappe beaucoup trop tôt, ça a coupé l'image, vous n'avez pas vu ce beau merci. Bref. Si, ils l'ont vu, t'inquiète pas. Du coup, Cordélia, est-ce que tu m'as dit ? Oui. Ouais. Alors vas-y, tu me streams ton pépé. Et du coup, comme pour Rose tout à l'heure, si tu gardes ta cam, il y aura ta petite cam en bas pendant le stream. Ouais, mais moi je veux ma cam. Ok, pas de soucis. Alors, j'essaye un truc là. Je tente un truc, pas de problème. Pour l'instant, ils ont ma magnifique tête. Hop. Est-ce que ça marche ? Hop, je passe ici. Oui, ça fonctionne ! Waouh ! Okay. Voilà. Et bien du coup, comme ça marche et que ça marche sur le chat, c'est à toi ! Incroyable ! Très bien.
Donc, j'ai choisi de faire ma présentation sur la question suivante. Pourquoi les petits blonds d'extrême droite sont-ils si populaires en fiction et plus spécifiquement en fanfiction, avec en exemple le cas Draco Malfoy? Donc nous allons voir 10 raisons pour lesquelles les petits blonds d'extrême droite sont si populaires, et on va y aller point par point. Raison 1. Ah merde. Ah, j'arrive pas à faire le truc. Je vous laisse apprécier. Waouh. Raison 2. L'argent. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il participe grandement. Et quand on écrit une histoire, c'est vrai qu'on aime que les personnages vivent des aventures. On aime que les dates que vivent notre couple principal soient un peu mieux qu'aller au bar du PMU du coin. Et c'est nettement plus classe de louer un hélicoptère pour faire un tour de la ville et ensuite se poser au milieu d'un champ et organiser un dîner aux chandelles fait par évidemment un grand chef. Sauf que pour tout ça, il faut de l'argent. Et donc, c'est bien pratique parce que c'est bien connu, les mecs de droite sont pétés de thunes, plus spécifiquement d'extrême droite et plus spécifiquement Drago Malfoy, qui est donc l'héritier de la fortune Malfoy, grande famille de sang pur. Je ne vais pas vous faire un résumé. Donc voilà, l'argent est une raison pour laquelle on apprécie ce personnage, parce qu'il est plein aux as. Raison numéro 3. Voilà. Raison numéro 4. Cette idée que par amour, on peut changer quelqu'un. Parce que c'est bien connu que Maynard Trash et a fortiori les petits nazis de Serpentard, Malfoy par exemple, Blaise d'Abigny ou ce genre de personnes, Christian Grey, aussi on pourrait extrapoler un peu sur d'autres fandoms. Et donc, en tant que lecteur et en tant que lectrice, spécifiquement quand on parle de fanfiction, on aimerait que ces personnages changent par amour pour nous, évidemment. Parce que c'est une idée très romantique et qu'on sait que les mecs sont tous des poubelles, concrètement, et on aime s'accrocher à cet espoir qu'on peut les faire changer. Et en fait, si on peut faire changer Drago Malfoy et faire qu'il ne soit plus d'extrême droite, en fait, on peut faire changer à peu près n'importe quel homme par amour. C'est une idée bien agréable, bien que ce soit un peu illusoire. Raison numéro 5. Non mais regardez-moi cette tête quand même. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces yeux de ce puppy eye là. Voilà, c'est une raison à elle toute seule. Raison numéro 6, l'expiation. Et ça, on arrive en fait au tome 6 et au tome 7 de Harry Potter et plus spécifiquement à la scène des toilettes des filles. D'ailleurs, on remarquera que J.K. Rowling était... Il y avait des indices, en fait, sur son obsession pour les toilettes des filles dans cette saga. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, clairement. En tout cas, il y a cette idée selon laquelle, en voyant un personnage souffrir horriblement, hein, Drago Malfoy se prend quand même un sectum sempra et découpé... presque en morceaux, hein, clairement, tailladé de toutes parts. Il a souffert, donc on va lui pardonner. C'est une idée très, très chrétienne au final, hein, genre tu vas souffrir pour tes péchés et tu vas être racheté derrière. Donc voilà, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où Drago Malfoy cesse d'être juste le petit bâtard, mais... qu'il souffre, que ce soit parce qu'il y a Voldemort, parce qu'il y a la marque, parce qu'il se fait taillader les veines par Harry dans les toilettes des filles, eh bien,
on commence à avoir de l'empathie pour lui, et donc on a envie d'effacer l'ardoise, en fait. Sauf que malheureusement, l'expiation, ça ne paye pas les thérapies des victimes. Ça ne payera pas le psychommage de Neville Londubat, de Luna Lovegood, et même de Harry, d'ailleurs, aussi. Donc voilà, c'est encore une fois, même si c'est une très bonne raison et que c'est normal en tant que, qu'être humain de gauche d'avoir de l'empathie pour des gens, car même les petits mecs d'extrême droite sont des personnes, et c'est tout à notre honneur de penser ça. Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Raison numéro 7. J'aime particulièrement ce fanart, je dois l'avouer. Voilà. Raison numéro 7. D'ailleurs, je vous renvoie au Tumblr de Up the Hill, que ce soit le Tumblr normal ou le Not Safe for Work, qui est aussi très, très sympathique. Raison numéro 8, l'excuse de l'enfance. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir de l'empathie pour Drago Malfoy, notamment dans le tome 6, avec cette fameuse scène dans les toilettes des filles donc, que nous avons vue dans le point numéro 6, eh bien, on commence à lui chercher des excuses. Bon, il y a évidemment Voldemort, etc. Mais on commence à aller chercher dans son enfance, alors que, quand bien même, dans les livres et dans les films, il est assez clair que c'est un petit-fils à papa complètement pourri gâté. On lui offre un imbus de 1000, voilà, il appelle tout le temps son père, machin, etc. Et c'est assez clair qu'il a eu une enfance plutôt dorée. Mais à partir du moment où on a de l'empathie pour lui, on va chercher des excuses. Et c'est comme ça que, par exemple, on se retrouve avec tout un tas de fanfictions qui vont extrapoler l'enfance de Drago Malfoy comme une enfance malheureuse où son père le battait. Il y a cette réécriture de cette scène, d'ailleurs, dans le film 2 où Lucius Malfoy tape sur l'épaule de Drago avec sa canne. Et à partir de ça, tout d'un coup, les fans ont extrapolé comme quoi c'était un enfant battu et donc qu'il a ses raisons et qu'au final, c'est peut-être une innocente victime. Et malheureusement, même si effectivement Drago Malfoy est une victime à partir d'un certain moment et qu'il n'a pas toujours le choix, il n'est pas innocent non plus. Et il ne faut pas oublier que c'est un petit-fils pourri gâté. Voilà, c'est un fait. On ne peut pas réécrire ce qui est écrit. Raison numéro 9, bon, je pense que vous commencez à identifier un motif récurrent. Raison numéro 10, l'optimisme. Pourquoi je termine par ça ? Parce que cette idée que le petit conte d'extrême droite nazi de Serpentard qu'est Drago Malfoy et que représente Drago Malfoy. Il représente l'ennemi, le harceleur scolaire et tout un tas de choses comme ça. On a envie qu'il devienne meilleur parce qu'on a envie de croire que les gens deviennent meilleurs. On a envie de croire que quelqu'un d'extrême droite puisse changer d'avis. Parce que si on ne croit pas qu'on peut convaincre quelqu'un de changer d'opinion politique et d'évoluer, et peut-être de passer d'extrême droite à droite conservatrice, par exemple François Fillon, ou peut-être même macroniste, eh bien, sans ça, c'est la merde. Parce que, voilà, c'est la merde. Et on a envie de cet espoir-là, parce que sinon, on fait plus rien et puis on reste dans notre lit à pleurer, quoi, parce que tout est perdu. Et donc, on a envie de croire que Drago Malfoy peut devenir meilleur et on a envie de croire qu'il va éduquer son fils, Scorpius, ici c'est en extrait de la pièce de théâtre, d'une meilleure manière et que ainsi le cycle d'extrême droite de père en fils, de Abraxas à Lucius, de Lucius à Narlo, etc., peut être brisé. Et qu'on peut construire peut-être un jour un monde meilleur, une utopie de gauche, a fortiori. Et voilà. Je vais m'arrêter là. C'était donc la 10e raison. Attention, le stream a planté. Attends. Hein ? Le stream a planté. Je te dis, voilà, c'est revenu, tu peux faire tes remerciements.
Ok, bon, je ne sais pas où ça a planté, mais voilà, je voulais vous dire merci d'avoir suivi cette présentation. Allez lire mes fanfictions. Et j'espère que je vous ai fait comprendre pourquoi ce personnage... pourquoi on l'aime bien, quoi. Parce que voilà, c'est l'utopie et parce qu'il est canon. Ouais. Merci beaucoup, Cordélia. Moi, bravo. Je n'ai qu'une réaction, le chat, vis-à-vis de tout ça, c'est... Oh, mais c'est pas possible, en fait. Voilà. Je leur ai remis un petit coup de... Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Est-ce que vous voulez revenir sur le point numéro 1, 3, 5, 7 et 9? Tu les as notés, en fait. On apprécie Drago Malfoy avec des tatouages. Je dois quand même... Ah oui. Il y a une suggestion par rapport à ça. Quelqu'un qui a dit une fanfiction dans laquelle Harry est tatoueur et recouvre les tatouages de Draco. Eh bien, écoute, Cordélia, je pense que c'est un appel du pied. Je pense que ça a été fait, en vrai. Presque tout a été fait. Ouais, presque tout a été fait, déjà. Je profite de cet interlude. Le chat, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Gnagnagna. Le septième était particulièrement convaincant. Oui, l'argument 7, très convaincant, apparemment. Est-ce que c'était celui avec les cordes? Non, c'était c'est... celui avec la marque des ténèbres tatouée avec des fleurs. Ce sont des points qui m'ont convaincu personnellement, même s'il reste trop de droite pour mon boule. Bah, écoutez, on peut rien pour vous à ce stade. On va partir sur ma présentation. Juste avant, j'aimerais remercier Xam pour ton follow et te dire, car je l'ai vu passer dans le chat, qu'il y a effectivement les replays qui sont dispo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Emoji Feu. Voilà, pour l'instant, ce sont des replays entiers. Je ne sais pas encore si j'aurai le courage de bosser sur le replay de chaque présentation une à une, parce qu'il y a un gros travail de montage derrière. C'est pas, je ne veux pas juste les découper, je vais faire un truc un peu plus punchy. Donc, j'ai tenté, mais c'était un peu long sur la première, mais voilà, on va voir. On va filer des sous sur Utip. Non, je n'ai pas besoin de sous, j'ai besoin de temps et de motivation. Et à part ça, c'est tout. Donc voilà, tu peux follow ma chaîne YouTube pour avoir tous les replays si jamais tu n'es pas dispo sur les lives. Yes. Est-ce que ce serait pas le moment de ma présentation à moi? Oui. Et encore une fois, ça se garde pour la fin. Bah toujours, hein. Alors, hop, oui, donc là vous ne voyez rien parce qu'en fait il n'y a rien à voir. Circuler. Bonne raison. Je cherche. Merde. Ah. Alors. Oui, mais encore. Je ne trouve pas ma présentation à moi, je suis désolée. Là, on est sûr, le stream est terminé, fermez le stream. Mais non. C'est le stream dans le stream, c'est pas le vrai stream. Le stream continue, et voilà. Et tout de suite. Mais c'est reparti! Exactement, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Merde, ça coupe. Ah. On vous entend encore sur le stream, bande de blaireaux! Merci, Mopeta, pour ton follow. Très très cool, merci. La politique. Ah, c'est croppé. Oui, je sais que c'est croppé, je suis en train de résoudre le problème. Pendant que dans le chat, ça me tease un PowerPoint sur pourquoi tout le monde est Fury. D'accord. Eh bien. Ça me paraît être une bonne raison. Pourquoi pas? Enfin, un bon sujet. Plaignez-vous à Silan, si besoin. Plaignez-vous à Silan, de toute façon. Voilà. Faites ça. C'est bon, vous l'avez. Jean-François Croppé, j'aime beaucoup. Vous l'avez en entier. Hop. Moi, je vais me mute parce que ça va pas être de la tartinade de vous raconter tout ça. Tac. Voilà. Hop. Alors, le chat, nous sommes donc en live sur le dernier PowerPoint de la soirée, qui sera un PowerPoint sur la politique, journal intime de l'Académie par Aristote. Pourquoi? Parce que, en fait, en faisant mes recherches, la première chose qui est revenue en tapant le terme « la politique » dans Google, c'était évidemment cet ouvrage éminemment célèbre d'Aristote, qui s'appelle « La politique ».
Donc la politique, ouvrage d'Aristote, a été écrit entre 335 et 323 avant Jésus-Christ. Et moi, en faisant un petit peu des recherches, j'ai retrouvé des extraits du journal intime du dit Aristote pendant qu'il écrivait la politique. Et pourquoi du comment. Et aujourd'hui, je me propose de les partager avec vous. Donc ce sont des extraits de son journal intime pendant qu'il était à l'Académie de Platon. Et s'il y a besoin, j'expliquerai des petites choses en plus. Voilà. Et je tiens juste à dire que le mec sur la bordure de mon PowerPoint, c'est évidemment Aristote. 358 avant Jésus-Christ. Cher journal, ça y est, c'est la rentrée. Demain, je retourne enfin à l'Académie du professeur Platon. J'ai hâte. Tu crois qu'il se souviendra de moi ? Après tout, j'étais son élève le plus assidu l'an dernier. Xénocrate a eu trop les boules quand Monsieur Platon m'a dit que j'étais presque prêt à avoir mes propres élèves. Ha ! Tu me diras, 25 ans c'est un peu jeune. Mais si le prof estime que je suis prêt à enseigner, je te raconterai tout ça demain. Kiss kiss, Aristote. Donc je vous ai mis ici des petites images d'archives du journal de Platon que j'ai retrouvé. On voit ici le félon Xénocrate, le restera-t-il longtemps ? Évidemment Platon, hein. Et puis petit insta de Platon et Aristote ensemble à l'Académie. Cher journal, quelle rentrée décevante! Je ne sais pas ce que le professeur Platon a fait cet été, mais ça ne lui a pas réussi. Hier, il nous a donné le cours le plus rasoir du monde sur la République. Il prétend qu'il existe un régime politique parfait auquel on devrait essayer de coller pour atteindre le bien. N'importe quoi. Comme si les grands barbus en toge qui se dorent les doigts de pied sur les marches du Parthénon en avaient quelque chose à faire d'être juste et de faire le bien. Monsieur Platon est très mignon, mais ce n'est pas le Maïkara le plus affûté des tiroirs. Ah, sinon, Xénocrate a boudé toute la journée parce que Platon m'a demandé comment s'étaient passées mes vacances, et pas lui. Bien fait. Kiss kiss, Aristote. Donc voilà, donc j'ai encore retrouvé des petits extraits du journal. Ici, vous avez donc des petites corrections qu'Aristote a apportées lui-même à la République de Platon. Et donc, je vous ai résumé rapidement, bien sûr, ce qu'Aristote nous dit en substance dans son journal intime, qui est que la République de Platon se base sur un régime politique idéal vers lequel on doit tendre, qui est forcément tourné vers le bien, et qui permet de créer du lien social dans la cité. C'est-à-dire que les hommes, en fait, n'ont pas d'attrait pour la politique, mais que lorsqu'on leur met de la politique entre les mains, ils vont ensemble faire société dans un but du bien commun. Voilà. Je vous ai mis également l'image d'un Maïkara, parce que il le dit dans son texte, c'est pas le Maïkara le plus affûté du tiroir, donc un Maïkara c'est un couteau, hein, en fait. Voilà. Cher journal, bon, rien ne va plus. Plus Platon s'obstine dans sa République, plus j'ai envie de me jeter du haut de l'acropole. Comment peut-on être aussi cute, mais avoir autant de trous dans la tête? Je t'explique. Aujourd'hui, il nous a fait cours sur les suites de sa République et il y a rien qui va! Déjà, selon lui, l'homme se constitue en cité par nécessité matérielle, parce qu'il n'arrive pas à produire ce dont il a besoin seul. C'est tellement faux. Les hommes fondent des cités parce que l'homme est un animal politique. C'est une association naturelle qui le pousse vers les autres, pas un vulgaire besoin. Parce qu'avec son raisonnement, on frise avec le fascisme, hein. Monsieur Platon prétend que du coup, il faudrait que chacun opte pour un métier utile. Et donc, tu sais ce qu'il veut faire? Tu sais ce qu'il veut faire? Censurer les poètes et les musiciens. Non mais au secours! Orphée doit se retourner dans sa tombe. Je t'assure, depuis la rentrée, Platon fait peur. Sur un autre sujet, Xénocrate m'a dit qu'il trouvait mes cothurnes au top à la fin d'un cours. Vraiment chelou, ce mec. Toujours, petite image d'archives. Donc je vous ai mis les annotations également d'Aristote, hein, qui doivent toujours figurer. Zoom politikon, ça veut dire l'homme est un animal politique. Petite insta de Platon également, et puis une image d'Orphée qui se retourne dans sa tombe. On note également la petite... Arrête de t'afficher, crétinus. On note également la petite phrase « Un jour, on parlera qu'au moment, c'est grave dangereux comme pensée, mais vous n'êtes pas prêt à avoir cette discussion. » Aristote en avance sur son temps, toujours. Cher journal, ça y est, j'en suis sûre à présent. Mon prof est un facho. Ah, l'aide. Bon, je lui ai dit, et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Facho, moi ? Sérieusement ? Haha, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à Socrate si je suis facho, tu vas voir la réponse que tu vas te prendre. Et puis c'est quoi un facho déjà ? On est en 1058 avant Jésus-Christ. Le concept de fasciste n'existe même pas, donc chut ! Trop bizarre. Bref, en gros, j'ai enfin ouvert les yeux quand il a parlé de ce qu'il appelle les gardiens. Une armée surentraînée dédiée à la sécurité de la cité et à l'invasion des pays alentours. En gros, il veut qu'on élève des gosses, en leur faisant écouter de la lyre et en leur faisant faire des pompes pour qu'ils aillent faire la conquête des trois villages alentours. Si ça, c'est pas un truc de facho, entre ça et la censure de la musique et des œuvres non morales. Et puis, cerise sur le gâteau,
Le pouvoir de diriger doit de droit revenir au plus âgé. Déjà, c'est naze. Mais en plus, il faut le cacher au reste de la cité. Comme ça, le pouvoir est confié au plus âgé et on dit à tout le monde que c'est les dieux qui ont décidé que les plus riches devaient diriger. Et donc, les plus riches, c'est les plus âgés, finalement. C'est tellement hypocrite. Il prétend rechercher la vérité et il défend le fait de mentir au peuple. Amicus Plato, sermagit amica veras, hein, comme on dit. Et encore, Amicus Plato, voilà. Comme je l'ai traité de facho, il m'a puni et je dois faire un exposé la semaine prochaine sur ma cité idéale. Eh ben, il va voir ce qu'il va voir, ce bellâtre en son dans le spartiate. Side note, Xénocrate m'a proposé de m'aider pour mon exposé. Il est de plus en plus sympa, lui. Je me demande ce que ça cache. Kiss kiss, Aristote. Donc voilà, on retrouve dans le journal d'Aristote, à cet endroit-là, des mèmes antiques qui ont été faits, notamment ce magnifique Friendship Undead with Plato, Xénocrate is my best friend. Et puis, bien sûr, cet énervement profond d'Aristote envers ce que Platon avance dans sa République. Cher journal, c'était le grand jour de ma présentation. Je l'ai explosé, ce grand mot Rossoff en toge rouge. Je t'explique. D'abord, j'ai posé un principe de base qui était zoom politikon. L'homme est un animal politique. En gros, c'est par nature que l'homme est forcé d'être social. Bim ! Déjà, dégage avec ta nécessité matérielle, grosse tâche. Ensuite, j'ai avancé que la forme du régime ne compte pas. Seule la finalité du régime compte. Genre, on peut avoir une monarchie, une aristocratie, une démocratie. Tant que le pouvoir à l'œuvre vise à atteindre une vie bonne pour tous, c'est pas grave. Par contre, si le pouvoir à l'œuvre ne vise plus à atteindre une vie bonne pour tous, là c'est le bordel. Par exemple, si le monarque œuvre uniquement pour lui-même, donc ça devient une tyrannie. Si l'élite de l'aristocratie abuse de son pouvoir, c'est une oligarchie. Et s'il se crée une dissension dans la démocratie et que le peuple ne peut plus prendre de décision et verse dans la démagogie, alors c'est l'anarchie. En gros, c'est l'intention et pas la forme du régime qui compte. Donc l'autre, avec son régime idéal auquel on devrait essayer de se rattacher, il peut aller remettre son chiton. C'est plus réaliste de partir de nos régimes actuels sans chercher à contraindre la nature elle-même et plus facile à appliquer. De plus, j'ajoute qu'il faut un système de justice équitable, où chacun trouve et reçoit à la hauteur de ce qu'il peut fournir. Comme ça, on évite la corruption et l'abus. Et pour se prémunir de l'opposition pauvre-riche et éviter qu'ils se tapent dessus, on va créer une troisième classe, un intermédiaire, une espèce de classe moyenne, entre les deux, qui prend part à la vie politique au même titre que les riches, mais se place matériellement aux côtés des pauvres. C'est du génie, non? Je pense que Polymnie a dû me chatouiller les neurones quand j'ai pondu ça. J'ai conclu en disant que la politique n'est pas une fin en soi, mais comme Platon le prétend, mais sert la vie intellectuelle et doit nous permettre de nous consacrer à l'art et la philosophie. Haha, je l'ai bien mouché ce crétin. Il était rouge de honte qu'un élève le défie comme ça. Par contre, Xénocrate m'a applaudi. Je me suis trompée sur son compte, il a l'air assez cool finalement. Je vais lui proposer d'aller à l'Agora ensemble après les cours demain, on verra bien. Kiss kiss, Aristote. Donc voilà, je vous ai juste remis pour vous situer un petit peu la petite note qui parlait de Polymnie, qui est la muse de la rhétorique, qui vous permet de comprendre un petit peu cette petite mouchade d'Aristote dans son texte. Donc bien sûr, on reprend très rapidement la politique selon Aristote. On part déjà du principe que l'homme est un animal politique avant toute chose, que la forme du régime n'a aucune importance, d'accord ? Ce qui compte, c'est son but. Et ensuite, que la justice au sein de la cité doit se baser sur un principe d'équité, chacun reçoit à la hauteur de sa contribution, je pense que là vous avez tous suivi. La création de la troisième classe, c'était assez avant-gardiste pour son époque. Et enfin, surtout, le but final de la cité, et donc du fait de faire de la politique, c'est d'abord de permettre à chacun de pouvoir se consacrer à ce que Aristote appelle la vie intellectuelle, qui est la philosophie et les arts. Voilà. Cher journal, le professeur Platon m'a poussé à bout. Je quitte l'académie. Je t'explique. Il a revu mon exposé plusieurs fois et il a trouvé intelligent de m'humilier devant toute la classe. En gros, il a dit que mon système était impossible à appliquer car alors personne ne travaillerait jamais. Évidemment, grande dadaise, c'est bien pour ça qu'on a des esclaves. Pour moi, c'était évident que ma vision de la politique repose sur l'esclave qui travaille afin que le citoyen puisse se consacrer à la politique et la philosophie. Mais Platon prétend que l'esclavage est une mauvaise chose, que chaque homme peut prétendre à une réciprocité de service. Donc en gros, que chaque homme peut d'abord servir puis être servi à son tour. Et du coup, en cela, son système est supérieur au mien, selon lui. C'est ridicule. Comment va-t-on pouvoir se consacrer à la philosophie et la politique si on doit bosser? Comment un philosophe peut-il lui-même faire cette proposition? Ça m'a tellement énervée, je me suis barrée. Et je refuse de retourner dans cette classe où un pauvre vieux gars avec un front démesuré me crache à la tronche. Hihi, Xénocrate et moi, on va au théâtre pour les fêtes de Dionysos ensemble. Souhaite-moi bonne chance.
Donc c'est là qu'on trouve le point de dissension principal dans ces quelques lignes que nous livre Aristote avec toute sa rage, on la sent, hein. Le point de dissension principal entre Platon et Aristote, c'est que Platon ne supporte pas l'esclavage. Et c'est assez marrant de constater qu'Aristote supporte l'esclavage, puisque c'est quand même lui qui a traité l'autre de gros facho en début de présentation. Voilà, comme quoi il y a des torts des deux côtés, on va pas se mentir. Donc ici, une petite slide où je vous ai un petit peu mis des petites archives, notamment cette toute première petite annotation concernant Xénocrate sur une éventuelle relation qui peut être très intéressante. On voit également que Aristote le surnomme Xé-Xé, ce qui est très mignon. Cher journal, ça y est, je suis partie. Puisqu'il y a quelques semaines, Platon me trouvait prêt à enseigner, c'est ce que je vais faire. Je vais monter ma propre école. Ça s'appellera le lycée. Ça va être top, et puis surtout, ce Morosov de Platon ne sera pas là. Avantage considérable. J'ai également proposé à Xénocrate de venir. Il m'a dit qu'il hésitait encore. Mais il n'a pas dit non. On retourne observer les étoiles pour notre devoir d'astronomie demain soir. On verra bien s'il se passe quelque chose. Kiss kiss, Aristote. Et c'est ainsi que se terminent ces quelques lignes de La Politique, le journal intime d'Aristote pendant son séjour à l'Académie, par son départ et le fait qu'il va aller fonder sa propre école de philosophie qui s'appelle donc le lycée. Donc je vous ai mis, malheureusement, j'ai pas retrouvé de photos de l'époque, mais je vous ai mis ici le lycée d'Aristote qui a réellement existé, qui s'appelait réellement le lycée d'Aristote. Et puis évidemment une dernière petite gravure de ce journal consacré à La Politique, un petit griffouillis concernant Xénocrate. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Des réactions? Quelqu'un a quelque chose à dire? C'était fabuleux. Si. Alors, moi, je veux savoir si à la fin, ils se sont pécho avec Xénocrate. L'histoire ne le dit pas. En fait, c'est le seul truc sur lequel j'ai pris des libertés. Tout le reste est vrai. Enfin, bon, Platon et Aristote ne sont évidemment jamais engueulés comme ça. En revanche, j'ai vraiment résumé les vraies pensées de la République et de la politique. Donc, vous avez eu un petit cours de philo gratos. Et tous les autres faits sont vrais, c'est-à-dire que Xénocrate était vraiment élève de Platon au même moment qu'Aristote. Bon, évidemment, je ne sais pas s'ils se sont pécho, dans mon cœur, ils l'ont fait. et l'académie dans laquelle il va s'appelait vraiment l'académie de Platon, il a vraiment fondé le lycée derrière. En 1358, j'ai pas les faits exacts, mais je sais qu'il était élève de Platon à ce moment-là, que c'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à travailler sur la politique, et que la politique était vraiment une réponse à la République de Platon. Voilà, donc comme ça, vous avez eu un petit aperçu de ce que c'est que la philosophie grecque, de façon très brève et résumée, bien sûr. Oh là là, c'était tellement savant. Je note, on ira lire les fanfics. Voilà, ouais, les fanfics, tout à fait. Eh bien, écoutez, on a fait toutes nos présentations, c'est pas incroyable, ça? Si. Mais si. On va pouvoir demander au chat de voter. Ah oui. Ah oui. Oh, le stress. Chic, chic. Je vais vous mettre le petit... Votez pour les mecs à poil. Allez, le chat, on se prépare. Dans le maillon faible. On se prépare à voter sur le lien que je balance. Voilà, bah. Comme la semaine dernière, il nous reste 26 viewers, donc on va demander aux 26 viewers, s'il vous plaît, de voter. Ah, donc nous aussi, on vote, parce que nous aussi, on fait partie des viewers. Vous pouvez tout à fait voter, vous aussi. Ah, on a le droit de voter. Ah. Tout à fait, vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait voter. Et le chat, je n'ai pas eu vos suggestions de thèmes pour la semaine prochaine, il faut me les rendre, s'il vous plaît. Alors, moi, j'en ai lu une. Nous, on a fait nos devoirs, alors faites vos devoirs aussi. J'en ai lu une qui était les petites villes de province. C'est un très bon thème. C'est un bon thème, les petites villes de province. C'est vraiment pas mal, les petites villes de province. D'autres suggestions? Je suis pas vraiment hors série. Enfin, je suis pas hors série, hors sujet, HS pour sujet. Il y avait Lénine dedans, techniquement. Non, mais moi je pense pas que tu sois hors sujet. C'était moi. Il est interdit de contester la hors sujet étude des présentations. Tout à fait. Donc je note les petites villes de province. Est-ce qu'on a un autre thème qui se dégage? On nous propose également le JDR et les animaux. Ok, c'est pas mal. On va garder ces trois-là. Les petites villes de province, le JDR, les animaux.
On rajoute aussi les fonds de famille. La furification de la société, c'est plus un sujet en soi. Vraiment, penser de thèmes très larges, comme ça on peut s'incruster dedans comme on veut. Comme ça, ce soir, vous avez vu, on a eu plein de présentations différentes. La géographie, je trouve que c'est un thème assez large aussi. La géographie, c'est pas mal. C'est vrai que je... On pourra parler du Pérou, quoi. On pourrait reparler du Pérou. On pourrait avoir le fin mot du DUT, tissage traditionnel à l'Université de Lima. Oui, parce que c'était pas un exposé sur le Pérou, c'est ça le problème. Ouais, peut-être que vous voulez un exposé sur le Pérou, c'est peut-être ça qui vous manque. On est à 18 votes, on attend encore un peu. Ok. Motivez-vous pour voter, hein. Je voulais que vous remettre le lien, je vous remets le petit lien. Après, 18 votes sur 26 personnes, c'est Ouais, mais la semaine dernière, on était 22, on a eu les 22 votes, donc Donc je vois pas. C'est possible. Non, mais si ça dure trop longtemps, on s'arrêtera. Quand c'est l'impossible avant tout. Ok. Je vais regarder un petit peu les commentaires sur ma présentation, puisque je ne les ai pas lus. Oh là là. Tu t'es vraiment fait chier au niveau du design et des petits trucs. Je suis allée loin. Oh, vraiment, c'est un peu la marque de fabrique. Oui, c'est un peu ça, mais bon. Mais le chat, l'équipe, que c'est bien, mais c'est trop spécifique pour un sujet, pour faire 4 ou 5 présentations dessus. Platon cancelled, on note, hein, Platon cancelled. Mais alors, ce que je voulais surtout vous montrer avec cette présentation, c'est qu'on dit la philosophie grecque et tout, mais... Platon avait des réflexions qui étaient quand même assez limites et Aristote soutenait l'esclavage. Donc, enfin, c'est pas. On a toujours l'impression que la philosophie c'est un truc hyper détaché, hyper lointain et que c'est incritiquable. C'est absolument pas vrai et c'est super important de rappeler aujourd'hui que ces bases-là sur lesquelles se fonde notre démocratie sont quand même parfois assez dégueulasses. Et sur des journaux intimes aussi. C'est quand même un peu chelou, mais. Mais ça, c'est mes recherches perso, ça, c'est. Oui, non, mais il faut le préciser. Je peux le préciser. Je reprends l'académie, j'arrête l'académie encore. Ça, c'était le but. Ok, on est où ? On est à 20. On est rendu à 20 votes. Eh bien, écoutez, si tout le monde... On va s'arrêter là, c'est pas mal, je pense. Je pense que le Pérou sera en tête. Hein. L'indétrônable Pérou. Ok, eh ben, je crois que le Pérou a largement gagné, par une majorité de 50%. Donc, c'est Rémi qui va pouvoir choisir un thème. Donc, on avait retenu les animaux, la géographie et les petites villes de province, c'est ça ? Ouais, moi j'aime bien les petites villes de province, mais est-ce que ça te paraît trop spécifique, Marie ? C'est comme tu... Non, moi je trouve ça parfait. C'est peut-être un peu... Moi, j'aime bien. Les petites villes de province, j'aime bien. Ah là, voilà, ce sera le... Non, quoique... Non, c'est trop spécifique si t'as envie de... Je veux dire géographie. Géographie, ça va être très large. On pourrait faire plein de choses. On pourrait vous amuser. On pourrait détourner le thème. Parce que petites villes de province, ça risque de se ressembler. Géographie, c'est bien. Ok, bah on part sur géographie. Donc, le chat, la semaine prochaine, le thème sera géographie. J'en profite pour annoncer les invités que je connais déjà. Il y aura Yo-Yo, il y aura normalement Citron, mais il faut que je reboucle avec lui. Et je crois qu'il y avait 22 aka Erwan qui était chaud aussi. Voilà, il faut juste que je reboucle tout ça. Mais on sera là la semaine prochaine et ce sera plutôt le vendredi parce que c'est quand même plus facile pour nous le vendredi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était bien. J'ai adoré participer. Ouais, en tout cas, c'était vraiment super chouette. Je vais juste dire au revoir au chat. Je vous retrouve dans un instant dans l'autre vocal. Ok. Bisous, des bisous. Bisous le chat. À plus. Ciao. Ciao. Ouloulou. Non, il faut que vous bougiez. Je te bouge. Voilà. Du coup, bah merci à vous d'avoir été là ce soir pour cette nouvelle soirée PowerPoint. On s'est vachement amusé. Moi, j'ai adoré préparer mon PowerPoint. L'angle était super. Je suis trop contente que ça vous ait plu. Hyper contente également. On a eu des pics de viewers à 36, 37, je crois. Quelque chose comme ça. Du coup, il y avait du monde. C'était super sympa. Et puis ben voilà, je m'éclate à faire ces streams, je trouve ça super et je suis trop contente que vous accrochiez.
Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch, je sais pas si on dit ça. Et puis on se revoit donc vendredi prochain pour la prochaine soirée PowerPoint, et sinon peut-être dans la semaine, j'avais envie de stream éventuellement du Among Us si on en fait avec les copains, et j'ai super envie de faire Star Wars Jedi Fallen Order en live avec vous. Du coup, dites-moi dans le chat si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous embrasse. Ah, j'ai perdu mon écran de fond de stream. Ah oui, juste, alors, avant de partir, déjà. Oh, mais c'est pas possible, en fait. Voilà. Et surtout, pour ceux qui n'étaient pas là, mon écran de fin de live n'a rien à voir avec le décès de Valéry Giscard d'Estaing. D'accord ? Je savais pas qu'il allait mourir, c'est pas prémonitoire, ça n'a rien à voir. Sur ce, bonne soirée. Au revoir. Thank you.